Mesdames et messieurs, la programmation de Téléimage continue sur le réseau câblé dans la zone métropolitaine de New York ou sur Internet. Bienvenue encore une fois à ces émissions Téléimage. Je suis Valerio Saint-Louis. On continue aujourd'hui, on va parler certainement d'Haïti, les informations dans quelques instants, mais juste avant, aujourd'hui, un grand titre à cette émission, notre programmation sera faite surtout autour de cette information qui a finalement dérangé un petit peu la communauté haïtienne et a fait un tollé dans cette communauté. Vous vous rappelez, et c'est le crime, double crime et suicide de M. Joseph Karniz, à nos songes, l'information ça qui est tombée, Téléimage t'est présenté un petit reportage sous lui, nous pourrons parler de ça, parce que simplement son information nous trouvait qui touchait communauté, en pile là nous réagit, et même dans la porte finie de Barbara, les Barbara qui clignent au Gvini, c'est de ça seulement nous avons parlé quelques semaines de ça, parole là t'es tout côté dans la cour New York, côté que Mounio t'es saisi, en pile là nous saisi jusqu'à présent, nous franchement étonnés de ça qui passait. De toute façon, Téléimage, il y a peut-être des informations additionnelles que nous avons portées Baou, il faut qu'on ait d'abord que nous connaissons, il s'agissait de Joseph Karniz, alias Country, un promoteur haïtien. Qui par jalousie, crime de passion, crime passionnel, là, l'île tuer madame, ni qui te font échapper pour lui, qui te font tirer pied, là, l'île dans motel avec ménagie. Ménagers sont jamaïcains liés, ou artistes jamaïcains, l'île tuer eux, et puis, nous connaissons cette histoire, là, l'île Miami, et quelques jours après, la police a décidé d'arrêter lui, il a barricadé Kaili, il a envahi le Pouyomaril. Joseph Karniz, malheureusement, quand tu es tête libre. C'est l'histoire. Nous avons fait un rappel avec le reportage que nous avons fait autour de l'histoire ça, tout à ça. N'a pas ajouté que Jamaïcain, l'artiste, son artiste jamaïcain, dancehall, still dancehall music, reggae, il a pu enterrer dans le pays Jamaïque. Pour Country lui-même, il fait connaître que c'est Haïti qui a tourné à cadavre. Quant à Tracy Bennett, c'est Madame Country jusqu'à présent, il semble que c'est ici, dans la cour New York, que tu as gagné pour enterrer. Nous avons fait plus toujours au fur et à mesure qu'il gagne plus d'informations. Pour Captain Barker, c'est ça, c'est notre artiste. Si. Il semble que madame n'a... Bon, alors, nous pour sûr, parce que madame n'a dit que les pour connaître ça l'a fait. Il y a un monde qui décide. Alors, il y a un monde dans la famille qui décide. Il y a pas de il cite. Il y a l'autre qui dit que c'est dans le pays Jamaïque. En tout cas, des informations qui continuent dans la question ça. Nous allons donc parler un petit peu de ça aujourd'hui à cette émission. Et puis, l'autre bagaille qu'a fait dans l'émission ça, comme toujours. Émission de divertissement, d'information et de formation. Restez branchés. Vous êtes bien branchés, ceux-là qui sont sur Internet. Eux aussi, on les salue avec plaisir. Gampil, nous avons regardé nous sur Facebook. Nous même regardé sur Facebook là. Mandez-nous. Nous avons regardé l'émission ça. Il faut aussi réagir, mettre des commentaires. You always do that. You're chatting with us on Facebook. It's great. Mais c'est important aussi de supporter les émissions Téléimage. C'est important. Je suis Valerio Saint-Louis, restez branchés. Alors, pour pile nos amis téléspectateurs, amis internautes qui tapent by opinion nous sur Internet ou bien via téléphone autour de l'histoire de double crime ça et de suicide ça qui était fait dans la communauté haïtienne dans quelques semaines de ça. Et Joseph Karniz alias Country, c'est lui-même qui est auteur crime. Et puis après ça, nous avons une histoire, il tue tête li. Nous allons reprendre pour vous un reportage que Téléimage t'a présenté, un reportage qui était très prisé sur Internet. Alors, pile monde gagne le reportage. Alors, finalement, il dit que c'est grâce à reportage. Ça, c'est que vous comprenez l'histoire, puis bien. Puisque l'information t'a bien joint nous par morceau, donc morceau information t'a bien joint nous tribobabo de différentes sources, et bien Téléimage t'est jugé bon pour nous combiner information ça yo météo et ben non formule audiovisuelle pour capable permettre ou comprendre ça qui t'est passé. Mais grand pile l'autre bail qui parler dans moment là dans communauté haïtienne là grand pile rumeur qui circuler les rues sous qui pour qui ça s'est fait qui gens ça arrivait. Yo même dit que quand tu étais arrivé communiquer avec deux trois monde, yo même parlé d'une communication via téléphone que Country et Joseph Karniz t'a fait avec au monde que le travail avec de très près, parce que nous songeons Country c'était manager Jazz New Look là, il t'a dit que Country t'a entré en communication avant que le fait crime là avec Harley La Rivière. Harley La Rivière qui jusqu'à présent pas parlé, il pas parlé dans les médias sous question, il pas voulu bailler aucune opinion, aucune déclaration. Nous qu'à comprendre ça, nous respecter ça, mais peut-être qu'un jour Harley lui-même tout a parlé. Il y a l'autre monde qui gagne des informations qui gagne qui peut-être pourquoi voulait dévoiler, parce que ça là c'est un crime finalement. Mais monde qui fait crime là il parle encore. Malheureusement, le tweet-être-li, c'est Country, Joseph Karniz, donc information à circuler tribobabo. Du côté communauté jamaïcaine, faut me dire nous ça tout. Communauté jamaïcaine, ouais, question façon pas yo. Et même sur Internet, n'a pas suivi. Il y a même une sorte de duel entre jamaïcains et haïtiens. Et enfin, Gampil joué qu'a fait sur Internet autour de l'histoire ça. Comme si jamaïcain dit, bon, enfin, il y a une version pas yo. Il y a joué entre eux. Il y a haïtien tout a réagi, c'est sûr et certain haïtien. C'est comme Dinadio, tout ça qui passait à là, bien que c'est une tragédie, mesdames et messieurs. Son bagage qui dû, qui rivait. Et que quand tu étais haïtien, mais jamaïcain, que c'est deux jamaïcains qui le tuaient, bon, c'est pas là l'important. L'important, c'est trois mondes qui mourir. Pour qui ça? Pour qui ça, encore une fois? Bon, de façon malheureuse. En tout cas, et en pile, nous émettons opinion, nous, là, nous venons dans le magasin, dans la boutique, là, dans la parfumerie de Barbara, et bien,
très souvent nous parler de questions. Alors, comme ça t'a fait tout le temps, Baba a dit, Madario, pour qui ça ne pas permettre mon yo exprimer. Quand pile nous qui relaient téléimage, tout après les là jusqu'à présent pour nous parler de ça, nous qui gagne des informations, d'aimer partager avec téléimage. Malheureusement, quand pile information nous recevoir de téléspectateurs, de monde qui sont internet yo, nous tendez yo, nous partager, nous bah opinion nous peut-être parfois, mais nous pas voulez prendre information ça yo pour vrai puisque pas qu'à confirmer jusqu'à présent. En pile rumeur sous question. Nous pas besoin de parler de rumeur yo, rumeur était ça yo. Mais aux mêmes amis les spectateurs, leur fait écouter au dans la parfumerie de Baba ou opiner. Nous allons présenter quelques opinions, quelques impressions de deux trois monde qui étaient d'accord parler dans la caméra. Nous gampi nous qui nous parler les caméras pas là. Behind the scene, off mic, you can talk, of course, you have everything to say. But les caméras branchées, nous bouche nous fermée, c'est comme si ça ne t'a pas dit, c'était mentilité. J'ai caméra elle ouverte sur nous peut pas mentir. C'est ça lié ou bien nous timides tout simplement de nature. En tout cas, Mounsayo même qui t'a parlé, yo pas timide, yo t'a parlé. Et ça nous pral fait. Mais avant de nous présenter opinion Mounsayo, à nous rappeler avec reportage à côté l'image t'est préparé pour vous, nous pral rappeler incident qui gens ça t'est passé pour un pile monde qui peut-être pas de temps well. Et juste un rappel, mais qui gens ça t'est passé jour soir ça, what really happened that night. Regardez. D'après plusieurs sources d'informations qui sortent dans la presse, c'est pas première fois que Joseph Carnizan, tinon jouet li country, t'a fait confrontation ensemble avec ménage madame li, Jocelyn Wayne Hamilton, yon ati jamaïcain qui tirait les têtes li, Captain Barky. D'après parole qui parlait, dans mois qui saute passé à la country, t'es qu'on a suivi ménage madame li plusieurs côtés, et li t'es même manqué frappé la machine li dans la rue New York. Ati jamaïcain, Captain Barky, t'es fait en mille connaît que country a persécuté li, et li t'es même fait le menace pour t'a tué li yon jour comme ça. Ça pas t'empêcher que Ati Jamaïcain t'ait continué relation amoureuse li avec Tracy Bennett, une jeune dame 38 ans, qui était madame Joseph Carnizan alias Country. Toujours selon information, nous joignent chaque fois que Barkley t'a gain pour le rencontrer avec Tracy Bennett, Country toujours connaît. Et li t'a vinn kembe yo plusieurs fois déjà. Atisla Captain Barkley t'est suspect que Marie Ménage li t'a gain un appareil dernière technologie qui t'a permettre li retracer route madame li a fait pour le venir rencontrer ensemble avec lui. D'après moun ki konnen, va et vient ça, parler en pile, confrontation, l'amour à toi ça entre Captain Barky, Tracy Bennett à Country, t'a déroulé depuis plusieurs années. Gen moun ki parlait de 2 à 5 années depuis histoire ça t'a commencé. I mean that's his wife, they've been married a very long time. En 2010, Ati Jamaïcain Steel Dancehall Reggae à Captain Barky, t'es produit une musique qui relait Na Les Dior. Côté que Atis dans musique ça, t'a faouché et t'a passé Marie Ménage li, Joseph Carnizan alias Country, nan bêtise. Uncle Chester, my life under pressure. Bon have me weak. Bon have me weak. Bon a mash up this watch a youth. I mean, I know what you do. She tell me she na Les Dior. 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 You mean squeezy? She give me bun everywhere she go. Me get bun everywhere me go. All the picnic them know, I'm in a know. All the picnic them know. And Uncle Chester catch her last night with the liquor shot man a standby. You mean shorty we sell sheer eyes. It cost me and me uncle fi fight. Me did think me uncle bad mind. Why mash up me family life till me find out me uncle did right. Me have to see man apologize. You see she do it again. She bun me. You know see a worldly she want on me once again. She bun me. I'll be picking them seat and I run me. She do it again. She bun me. And me feel like she run back on. She do it again. She bun me. With the other man where you have the monk. She tell me she na Les Dior. 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 Joseph Carnizan, Tinon Jouetli Country, 42 ans, Routel 5 pieds 5, Poili 220 livres. Très connu dans la communauté haïtienne, surtout dans le monde musical, dans le monde ambiance nightclub. Il était propriétaire Club Giggle dans Long Island, représentant promoteur Jazz New Look dans New York. Des pour besoin de New Look joué pour dans la cour New York, c'est Country pour eux. Businessman, propriétaire plusieurs cailles avec barbershop, unique de bien, gentil et calme selon plusieurs moun. Mais Country te gen plusieurs dossiers criminels nommés la police. Yo te arrêté 6 fois déjà sous accusation vol, agression ak fraude, possession zam illégale selon information que nous joignent dans journal New York Post. Dernier date arrestation li remonté à 17 août année ça. Li te gen pour le paraître devant juge li le 22 octobre.
li gen deux timoun ak madame li, Tracy Bennett, li terite nan Elmont, Long Island. Tracy Bennett, 38 ans, infirmière de carrière, registered nurse nan Winthrop Hospital. Li gen trois timoun, Dahan Jones, 17 ans, kap étudie nan University of Buffalo. Li fait deux timoun pou country, Jason ki gen 7 ans et Mia ki gen 12 ans. Tracy a country te marié pour plus passer 10 ans, mais yo te séparé et yo tap vive nan même kay nan Elmont, Long Island. Tracy te prend un restraining order, li te pote plainte la police contre Joseph Canizan country, qui te arrêté le 17 août dernier. Li te nan une relation amoureuse avec Wayne Hamilton, un artiste jamaïcain. Jocelyn Wayne Hamilton, nom d'artiste Captain Barkey, 50 ans, artiste style dancehall reggae, li marié, li pa gen ti moun, li te rete nan état Milwaukee ak madame ni. Captain Barkey, c'est un artiste jamaïcain qui t'a fait fureur dans l'année 90 avec plusieurs hits musiques que l'a fait à l'époque. Il est un garçon galant, plaisant et gentil, d'après Zamil. Alors, je vais vous dire, les fans sont out there. We love you, know. And the feel like Captain Barkey and we got done. Captain Barkey and we come and just start. Il a eu une affaire amoureuse avec Tracy Bennett, madame promoteur musique haïtienne, Joseph Canizan, alias Country. Trois moun sa yo nou sot prezante ou la, pral pedu la vie yo nan yon tragédie l'amour, passion, jalousie ak violence. Tragédie a commencé jou samedi 13 octobre sa, devant Holiday Motel nan Bronx, kote ke a 3h10 du matin. Tracy Bennett ansanm ak Wayne Hamilton tap soti nan motel la pou yo tal antre nan machine yo. Joseph Canizan alias Country te gen tan stasyone deyòr hotel la el tap tan yo. Selon rapport la police ak image surveillance caméra motel la que la police joine, yo wè que c'est pendant que monsieur Damio tap entré dans yon machine sedan blanc, Joseph Canizan bloqué yo ak machine pa li. Empêché yo sorti et selon la police, li ta descend machine nan zam à la main et il ta tiré deux cartouches sous machine blanc. Nan moment sa, ati Jamaïcain Captain Barkey essayé échapper pour li sorti nan machine nan. Surveillance caméra motel la montré que Joseph Canizan courit d'elle et il tiré plusieurs balles, plus passé 2 douzaines cartouches selon la police. Bal yo prend victime nan l'estomac côté que le tombé à rebord yon couloir de yon motel la. Surveillance caméra motel la continue montrer Joseph Canizan qui retournait dans parking lot la, li joine Tracy Bennett campé à trembler qui tap mandé pitié pour ville. Country tiré Tracy nan visage une fois selon la police. Li tombé à terre et Country campé devant li continue tirer plusieurs fois. Bal yo prend nan tête, nan visage, nan dol ak l'estomac li. Joseph Canizan pot ko fini. Li retourné à joindre ati Jamaïcain Captain Barkey qui tap débat à terre et li tiré plusieurs fois encore. Fois ça, bal yo prend nan tête. Joseph Canizan rapido presto courir monter nan machine ni pour le jeter pour lui. Caméra motel yo montré que le prend direction sud sous autoroute là. Tragédie ça t'a pral continuer pour le finir dans la cour Miami côté que Country t'al prend refuge nan Kaisa. Yon appartement 2 étages qui nan Northwest 157e rue nan 2e avenue nan Miami-Dade. Selon porte-parole shérif la, c'est là que Country t'al caché koli. Depuis samedi jou krim nan, US Marshal Fugitive Task Force t'ap suivre trace Joseph Canizan qui selon la police t'est conduit sorti nan Bronx rive Miami. Nan investigation que la police t'est mené nan zone nan, yon arrivé joindre que c'est nan Kaisa pour tout bon vrai que Country t'est caché. Et c'est tap jou mardi 16 octobre ça, vers 10h14 du soir, la police encercle Kaila. Yon entré en dedans la cour Kaila avec une machine gros flash lumen sous tête li, avec une porte-voix côté que yon te mandé pour tout moun ki andan Kaisa, puis yon ta saute de yon. Après quelques temps passé sans réponse, détective yon dit que yon wè tête Joseph Canizan qui paraît nan fenêtre nan appartement premier étage là. Après ça, toujours selon la police, toujours selon détective yo, Joseph Canizan essayait sauter dans porte derrière Kaila, côté que il réalisait que Kaila était encerclé. Il courit fermé porte là, il bloqué. Quelques minutes après, selon rapport la police là, un jeune garçon sauti de l'appartement côté Joseph Canizan était caché et puis il entendait 3 coups de zam. La police arrivait entrer en dedans appartement, côté que yo joine Joseph Canizan, alias Country, blayé à terre. Li ta tiré tête li selon la police. Yo joine 3 armes automatiques bokote li ak 2 gros armes fin de fois AK-47 tout chargé en dedans Kaila. Selon plusieurs autres sources information, yo mande tête yo est-ce que c'est vrai c'est ta Country qui ta tiré tête li ou bien c'est ta la police qui ta descendi dans échange coup d'arme. De toute façon, l'un mort tragique ça, assassinage cruel ça qui te plusieurs familles dans la tristesse de l'onanje. Timoun yo, madame ati Jamaïcain. Famille yo ak 2 communautés jamaïcain ak haïtien sa nan un gros deuil. Musique haïtienne nan li même tout perdu. Li perdu en pile, surtout jazz new look la.
De même que style musique dancehall reggae jamaïcain, yo même tout yo perdu. Et maintenant, mesdames et messieurs, les opinions de certains d'entre vous. Les nous venir dans la parfumerie de Barbara, nous parler, nous exprimer tête nous et on caméra. Certains d'entre vous, avec caméra branchée sous nous, nous t'es d'accord pour un débat opinion, pas nous. Simplement une opinion. Puisque son cas qui fait en pile par en pile dans la communauté, je m'a dit encore qu'il y a un pile de monde qui est venu, il a parlé, ou bien il est sur Internet, il a chat avec nous, il a dit toute qualité causée. Là, nous disons, si vous avez une opinion ça, dans la caméra, puisque nous aimons les bagailles. Alors, il faut comprendre, oui, mes démarches que nous avons fait dans la télé-image. Loin ici, dans ce qui est arrivé, c'est sûr que certains gens parlent. Ils parlent dans chaque caille, chaque quartier, ils ont une opinion. Dans chaque town, tout côté. Mais là, l'on fait. En caméra ou partager opinion, c'est comme un échange. C'est comme si problème là, nous deal avec lui comme une famille. Nous parler de problème là. C'est ça que nous manquons dans la communauté. Là. Il faut un petit peu ventiler les problèmes de la communauté et le faire à travers les médias, comme le font les autres communautés d'habitude. Pour qui ça? Parce que psychologiquement, gain ou bien fait les nouvelles. Moun parler de lui, moun tande sa moun di, et puis douleur a apaisé. Et puis ça vient fait que nuage de rumeur ça qui autour de histoire ça, les gens lui même tout apaisé. En tout cas, en attendant ça, où t'es pour te dire, soit pensé de cas ça, double crime et suicide, qui soit pensé, soit te dit, dans micro, dans la caméra, nous, on a suivi ensemble. Second opinion, ou même tout, nous, avec plaisir, on a pris opinion ça, but it has to be on camera. Pas seulement dans le téléphone, non, on dit, on ne peut pas parler dans la caméra, c'est dans le téléphone non seulement. Nous souhaitons qu'on ait courage, qu'on soit capable de faire, même Jean-Moun, ça, qui t'es parlé, hein, pour qu'on ait pas opinion pour. Comme ça devrait normalement se faire. Pourquoi pas? Alors, suivez opinion, messieurs, dames, ça vous pensez de l'histoire, ça? Je trouve son bail qui est tragique qui arrive actuellement là parce que non seulement tous les deux familles ont fait peur, et puis Timon aussi, après elle grandit sans maman, sans papa. Et je crois que l'incident, ça, son incident qui frappe tout le monde dans la communauté. Et je crois en le futur pour mesdames, prendre conscience de situation, ça. Pour mon arriver pour posséder. Pour arriver à tuer deux mondes plus tête ou monde ça pas comme si nous disons c'est pas un monde qui sait I mean, le vrai mot comme si c'est pas un monde qui pour compte parce que un monde qui normal pas t'arriver non point pareil bon comme pas connaître tout qui ça qui cause ça arriver capable de gagner des incidents avant capable de gagner des problèmes auparavant et puis qui cause monsieur gon evil qui passe dans tête qui tue trois monde me trouver son bail très très grave moun yo m pa connaissé parce que par la conseiller m pa connaissé parce que par rendre compte que gen problème pour chercher une solution à problème là avant pour le dégénérer pour capable arriver tuer deux monde plus tête ou fait trois l'irréellement tragique mais nous capable tirer une leçon de ça parce que nous arriver à déjà arriver déjà nous pas rien capable faire c'est ça nous capable bénéficier des leçons qu'on capable tirer de lui-même leçon qu'on capable de tirer de lui-même. Les un garçon rete marié avec un fils c'est un seul que nous y bot grand pile patience que nous capable prendre pour nous capable youn capable connaître l'autre parce que là prend un bon petit temps pour youn à l'autre capable connaître each other et l'autre choix un goal c'est un bagage qui très dangereux son jouet qui paraît belle but at the end gain gros consequences ou capable payer de ça ça que tu capable dire si on fait avec un nèg ou pas capable encore avec lui so, c'est move on and get somebody else parce que séparation son bagage biblique lié c'est une bagage qui dit vérité côté que grand le fiagre doit dire par moi on est là dire par moi look for somebody else it's better parce que si on jouer trois et on gagne deux trois mon ensemble at the end you know it's going to be a big issues en principe mba ouais pour que raison son monde avec un monde grand problème obligé caler monde ou bien obligé faire des bagailles graves pour arriver même à aller dans la police prendre et puis par contre les haïtiens qu'on arrive dans point ça tout comme pas connaît parfois bah quand doit être là yo caché monde pas connaît yo bon moi même trouver son bagaille qui drôle si monde font bagaille ou capable parler avec lui pour nous pas que raison pour nous résoudre problème là ou bien si on moyen ou cas séparer parce que parfois quand on avec un monde on pense que c'est monde ça qui va le faire reste vie ou pas spend ou pas passer toute reste vie avec monde là et pourtant c'est pas vrai sont capable vivre plus bien avec un monde pendant pas avec là
comme si dans thème sous tes gonfou marié avec qui préfère aux amis moun nan au lieu de vivre dans caille ensemble. So, ce qui signifie ba son bagarre qui logique pour arriver dans caille moun nan pour fille prendre et ordre de protection sous. En principe c'est pas seulement fille donc fait le garçon tout fait. Ça veut dire que garçon comme ordre de protection against fille. So, son bagarre qui très grave connait pour fille ap caler garçon, garçon ap caler fille, m'pas connait côté bagarre ça sorti. Mais pour moi même trouver c'est bon bagarre qui normal pour l'arriver dans point ça pour caler fille, fille pour ordre de protection contre tout. Connait pour tellement posséder l'arrivée à tuer fille. There must be something going on. Affaire garçon lever mes souffrances, c'est un bagage qui me compte et m'a toujours compte lui. Et de même que tout une fille pas supposé à lever mes sous garçon tout parce que c'est un manque de respect qui est lié pour idée pour garçon et idée pour fille en tout. Parce que c'est pas un bagage qui me croit là-dedans et pas pour ça me croit là-dedans tout. Si on lever à faire des pour dans lever, on a lever mes sous l'autre qui veut dire que sacrifier hein, ne pas ca épanier parce que pas jamais connaît qui dernier job qui dernier goutte d'eau qui a tombé qui a renversé vers. Alors c'est ça qui arrive la connaître parce que tu gagne violence si tu gagne le vrai comme c'est ça dit si tu gagne violence c'est ça créer ça fait la connaître et m'ta souhaité si gagne mon communauté qui beaucoup arrive qui beaucoup arriver dans condition ça actuellement là dans moment tragique ça si nous gagne petit problème violence ça caillon chercher ranger chercher corriger nous pour nous rester nous capter cap pas là-dedans parce que violence c'est ça le fait seulement c'est la mort porter et puis division. Nobody on nobody. Soit avec un monde, on n'est pas un petit monde, on pas capable avec lui. Just, ma brebette est encore mouvante, on pas gain droit pour lever mais sur aucun monde. Dans les United States, c'est very wrong. You could go to jail for a long time. Et puis il pas belle pour société à tout. Pour lever mais soufi, et moi vraiment against abuse, j'en dis abuse ça. Les deux mondes mariés ont bagarre ou besoin de la caille, spécialement garçon. Ou supposé en premier gen sa relo la crainte de Dieu. Depou gen la crainte de Dieu gon se de baga ou pa fè. Précisément c'est pas pour fille non, madame ko marié avec li non pa fè. Ou pa fè pour bon Dieu que ou déjà choisi ko remè. Et quand faut déjà connait corps là c'est temps bon Dieu que li ou pa ka fè des bagay avec. Même si ou lever comme garçon, ou lever ou al font bagay qui compte ko participe aux effets. Tout d'abord, déjà relé ça son hypocrite. Ou son hypocrite ko li parce que sou fon bagay ou pa ka di madame moun déjà son hypocrite elle déjà pas bon parce que bon Dieu même déjà ouais ça fait li pas bon et puis kounya pou coucher sou même kamana kou moun ou gon bagay ko fait ko pa capable dire et c'est une bagay que m pa jam appuyer ou moun ki fèl yo grand d'abord non pour ça tout bon m pa fin apprécier mais nan communauté pa nou garçon haïtien gon attitude que c'est que yo c'est garçon yo ka fait ça fi pa ka fèl. Non, nous chaque nous toutes nous gagne même droit et si garçon en cafel fille a capable faire tout mais c'est pour un bagaille qui moins appuyé dans tous les débats que me pas ta souhaiter que une autre ta faire. M'a prend zoclo depuis me gagne 23 ans pour juste qu'on y a m'a prend zoclo parce que me pas la mal travail. I don't know, I have no idea. But at the same time et zoclo c'est pas pour dire que fille et c'est rien mais que il pas li paremon c'est juste que fia gon côté li gon parti dans li même dans bwenni que un garçon li crème plaisir pour moi parce que il a besoin de nouveauté au besoin bagaille new m'pas que je réponds pour ça parce que m'pas infidèle parce que m'pas mari et si m'ta ko mari tout m'pas comme d'aval faire ça m'ta faire quitter mon nom pour l'autre monde anyhow ça m'pas comprendre pour qui ça fait ou mari à un monde et pour connait ou pas fidèle à mon pour soit pas obligé rester faire vie célibataire ou qu'a prendre plusieurs garçons ou prendre plusieurs filles qu'on veut mais moi dans foyer haïtien c'est surtout peuple noir yo même pas ça même yo même plusieurs filles ou bien filles à tout même plusieurs garçons spécialement aux États-Unis gon épidémie on seul garçon avec même 10 filles on seul fille à tout même avec 10 garçons so m'pas comprendre comment bah comment ça fait arriver so m'pas j'ai une réponse pour lui comme je t'avais dit m'pas mari et si m'pas mari m'pas comme d'apprendre fidèle avec lui so I don't know. Mais on pense que infidélité justement c'est ça qui crée et problème ça yo qui mène la mort. Bon, d'après ça yo dit moi c'est infidélité qui cause problème non mais pour qui ça obligé pour arriver date fa pour aller tuer mon nan si fiant et d'après ça me tendon mon dit son dame qui you know gagne plusieurs petits ménages sous monsieur connaît moi quoi même dans travail il qu'on a foncé de bagarre qui pas normal. Mais sous connaît mon nan excusez-moi des choses sont putes liées pour qu'il soit obligé arriver pour aller tuer li tuer un autre monde et puis tuer tête pas ça sont gros crimes bon même quoi mon ça va arriver dans ciel parce que pour tout ça le faire
Parce que ou déjà qu'on est moun nan pas sincère à ou même ou déjà qu'on est moun nan ap cheat on you. Why ou pas obligé quitter moun et puis move on à moins que gon bagay ki deeper than infidélité que nous même nous pas connaît. Nous même nous pas connaît. Ah, m'ta souhaité que moun yo lè nan relation que pour prendre conscience que même si que ou remè moun nan kito ou senti son failure lié, is not nothing wrong parce que fia gen doit remon pendant 10 ans, je pou faire 11 ans, li move on avec vie li pa remon encore. So ça pas gain ni ou pas flaneur pas gain que c'est parce que ou pas gain l'argent c'est juste sometimes some people need changes in their life and you have to accept it the way it is. Bon, leçon que me tire de ça c'est que moi ouais que malgré que country c'est un monde capable prouver qu'il t'aime mais fier en pile et il fait en pile bagaille de bon pour fier parce que et il y a vivant ensemble etc mais et bagay yo passé dans sens côté que il pas qu'à accepter que il quitte fia but at the end this is what happened avant pour nous arriver non point pareil font chita discuter qui ça qui cause gain fidélité parce fois gain des filles qu'elle fait des autres dehors son bagay yo pas joindre la caillou en même tout gain garçon tout qui prend l'autre fille c'est parce que gon bagay yo pas joindre même quoi il t'a bon pour Gonchita et comme bien que m'pa ka di tout haïtien gon série haïtien pa kwè nan counseling so li important pour gon moun pour Chita pour discuter ki problème nou gen nan kay la ki problème ki cause tel bagay pa ka marcher et puis si nou pa ka vivre nou juste quitter comme gen moun religieuse ki pa kwè nan divorce mais gen moyen pour ka résoudre problème ça pour juste pour pa ka arriver même conseil m'dabay soit avec ou moun ou remarquer nou pa ka vivre ou bien gon bagay ki cause nou pa ka continuer préfère quitter au lieu pour arriver pour perdre vie ou pour tuer moun sa et puis c'est ti moun yo ki derrière k ap soufri it's gonna be sad parce que ti moun nan pa jwenn maman li pa jwenn papa ou pa konn ki critique tout pral pou ti moun sa à l'avenir l'ap grandi ou pa konn ki sal kaye demain et puis ça capable vinn chute pou li pour rendre la vie ti moun nan passé mal so m'da souhaite si tout nous même haïtien parce que nous pa kwè nan genre de bagay sa yo parce que j'ai relevé nous pour nous commencer go out there parler de problèmes qui gagne yo faire des réunions faire des petits comités sociaux comme dadou fi qui gagne problème parce que haïtien toujours peur raconter affaire on bon pas contre yo parce que tellement gagne moun k ap critique yo imagine on gagne le monde nan gros problème beaucoup fin parler moun nan li mettre dans la rue so ça vinn cause nous à vivre dans cachotterie même notre gros problème ou ta remè résoudre problème nan ou peur le monde pour dire ou peut demander au monde advice parce que ou par contre qui sont vraiment des monde qui ça le cas dit demain sont même nous même spécialement communauté haïtienne qui vivent ici fait tout effort nous capable mettre parole au dehors parler aider moun yo à connaître bien mal et puis garçon tout suspendre calé fille tout suspendre faire vie bagarre pour mettre parce que garçon li gon comment t'a dit moi ça li gon evil thing let find out que madame fait ça de bagarre on m'attendait sortant de la fâché quand même mais ou même fille en sous qu'on pas arrêter mon juste quitter mon s'il pas satisfait dans certain point move on prend l'autre monde parce que automatiquement le connaît ou coucher en l'autre monde forget about it c'est ça gonna be the same conseil qu'un capable gars communauté c'est toujours penser à faire ça qui est bon parce que c'est ça qui est plus difficile dans la vie ça réellement difficile pour faire ça bien mais et pour faire bien c'est essayer pour essayer si qu'on suite penser dame dans lui même madame ni tu penser sacrifier il pas ta privé mais comme si on te penser des petits tu gagner que si on penser si on font mal qui mal c'est timon pas le payer côté ça arriver il pas ta privé alors son leçon son exemple pour nous qui rete derrière qui pas tomber dans problème ça bot ou pas jamais connait bagage ça répéter yo fait tout temps des pour pas penser ou pas gagne la crainte de Dieu bagage ça arrivé spécialement à monde qui pas gagne ça la crainte so on croit qu'il capable servir nous une leçon si comme on te dit déjà si gagne monde qui gagne petit problème violence la caillou qui gagne problème infidélité la caillou puis chercher ouais qui gens capable entrer dans yo même pour ouais ça son bagage yo pas supposé là-dedans parce que sou pas accepter madame nan fèl ou même pas ka fèl tout de même que madame nan sou pas accepter mari a fèl ou même ou pas fèl parce que bagage ça yo blessant yo rive yo ka rive loin et yo causer la mort spécialement pour que ça pour nous ouais non seulement deux monde trois monde mouri mais gon paquet madame gen madame petite qui rete sans papa sans maman que nous pas ta remer ba ça répéter encore.
Merci à ces personnes qui ont accepté de donner leur opinion à travers les caméras et le micro de Téléimage. Merci à tout le monde qui a eu courage pour l'opinion. Et au fait, toute là, nous avons une opinion. Nous, même Cap-Gardé, nous avons une opinion pour tout, c'est sûr. Bon, je pense que l'important, c'est que c'est son cas qui fait dans la commune. Ce n'est pas la première fois. Hein. Nous avons des incidents comme ça. Il y a des incidents comme ça qui arrivent. Puis ce qu'on suit, Joseph Kianiza, son monde qui connu, son promoteur, et puis car, bon, prend la rue, c'est international, puisque dans tous les médias, ici aux États-Unis, tout le monde a parlé de lui. Alors, il y a l'autre cas dans la communauté, il y a passé que le monde baronne. Il y a un cas comme ça, hein, qui, puisque le rapide monde l'a venu parler, il explique ça qui est arrivé, ça qui arrive en monde qu'on est. On n'en parle pas, malheureusement. De toute façon, c'est un événement déplorable. C'est un événement lié, oui, un événement franchement que nous pas souhaité que tu as passé dans la communauté encore une fois. Oui, déjà, c'est déjà trop pour cette communauté. Et comme il y a un peu de monde qui émet même opinion, ça, je partage la veille. Je ne crois pas que les Haïtiens nous sont habitués à faire ce genre de choses, non, à l'époque. Nous autres, comme, en tant que communauté, nous connaissons nous. Le monde connaît nous comme des mondes paisibles, des mondes de bien, qui comptent travailler, qui travaillent dur, des mondes respectueux, des mondes sérieux, des mondes qui ont l'église, qui comptent lever famille, de bons papas, de bons maris, enfin. C'est comme ça qu'on a haïtien. Mais ça joue aussi. Et on a défié la chronique avec information qui a tombé, tribo babo, et qui a sauté deux communautés noires. Il semblerait que les choses changent dans notre mentalité, en tant que peuple, qui vivent en dehors du pays. Bien pile cas comme ça, nous avons rappelé, car jeune garçon s'est tué, madame, il y a cinq petites lits, nous rappelé, enfin plusieurs autres cas, nous l'autre, ça me fait penser quand même à feu. Gardi Célestin, il était promoteur tout, propriétaire du club, nous songez, d'un club à New York, lui-même tout, il était. Si tu es ménagé, tu es tête li. En tout cas, c'est trop. C'est déjà trop pour la communauté haïtienne. Merci pour l'opinion. On a continué la programmation ça. Si vous-même avez une opinion toujours, pourquoi pas? On n'a pas accepté l'opinion tout le monde. Nous avons une opinion des gens qui te country, des promoteurs, des gens qui dans l'industrie musicale, là, gen pile nan yo, qui déclinent l'invitation. Nous pouvons parler. Baron ça ou peu. Yo pas de vraie opinion. C'est dommage. Je vais d'ailleurs, c'est lui, restez branchés. Nous continuons avec notre programmation dans quelques instants. Pour Haïti. Des jeunes Haïtiens, grâce à leur talent, représentent quand même Haïti à travers le monde et font certainement la fierté de tous les Haïtiens. Il s'agit de la World Championship of Performing Arts qui s'est déroulée quelques semaines de ça, du côté de la Californie, avec la participation de 40 pays. Et bien Haïti, notre cher pays, est sorti en première position dans ce championnat international, notamment dans le domaine de la mode. N'a pas rejoint, et bien comme champion international de la World Championship of Performing Arts qui était déroulé en Californie, on rejoint comme champion dans la catégorie modèle femme, on rejoint Naïli Fanfan, ou haïtienne,
qui lui-même représentait Haïti valablement et qui gagne un concours ça. Bravo Anaïli Fanfan. Et toujours, Haïti a fait belle merveille, belle nouvelle pour Haïti, toujours dans la même catégorie ça, fois sa catégorie et mode du côté masculin. Haïti sorti champion, Haïti poté premier prix dans même concours ça, World Championship of Performing Arts. Il s'agit cette fois-ci dans catégorie modèle masculin, c'est Jean-Richard Guillaume, un haïtien qui était pays il venu représenter Haïti dans Californie dans semaine qui s'est passé là, il sorti en première position. Bravo Haïti, bravo à ces deux jeunes. N'a pas rappelé encore une fois, champion du monde dans affaire modeling, nous rejoignent modèle Naïli Fanfan qui représente mesdames, les gagnants sont haïtiennes. Champion du monde dans la catégorie masculin. Et bien nous rejoignons Jean-Richard Guillaume, haïtien, qui franchement fait fierté nous rejoindre aujourd'hui. En nous suivant un bel reportage et en nous battant un bel bravo, puisque haïtien, jeune Sayo, a fait quand même parler d'Haïti de façon positive. Nous pensons que Haïti montrait le monde, puis il y a de belles femmes avec de bons jeunes gens, garçons bien campés. Qui eux-mêmes, c'est haïtien, eux, capable de vous présenter pays, capable de gagner tout dans les concours internationaux, ils sont en première position. Bravo à ces deux jeunes. En suivant le reportage. Elle est mannequin depuis des années et évolue en Haïti comme à l'étranger. Lui est étalagiste à un grand supermarché de la place et est mannequin à ses heures perdues. Tous deux ont fait honneur à leur pays en remportant pour la catégorie mannequin le trophée au World Championship of Performing Arts. The 2012 Grand Champion Female Model of the World is... From Haiti, Naïli Fanfan. The 2012 Grand Champion Male Model of the World is... From Haiti, Jean-Ricard Guillaume! A sweep for Haiti! Pays ont participé à cette compétition. Une compétition qui met en valeur des talents dans diverses catégories. Un véritable challenge. Tous les pays du monde sont représentés. En différentes catégories. Différentes catégories. Chant, danse, instrumental, mannequinat, et groupe de danse et acting aussi. C'est la World Championships of Performing Arts qui se passe chaque année à Hollywood, California. Pour toutes les disciplines artistiques, mais c'est format olympique. Face à des compétiteurs étrangers, bien formés, super entraînés, super encadrés, des mannequins au corps de rêve, nos deux jeunes haïtiens ne se sont pas laissés intimider. Ils n'ont pas eu de gros stress. Au contraire, ils étaient très confiants de leur chance de remporter cette compétition. Lorsque je regardais les autres femmes marcher, le visage, il n'y avait pas une confiance. Donc moi, j'ai pu projeter la confiance entre mes yeux, ma façon de tenir, mes épaules, ma corpulence et tout ça. Donc ça m'a donné un plus et la gentillesse, la façon d'interaction avec les autres, c'est autre chose aussi. Et bien entendu, je suis mannequin, j'ai la hauteur, j'ai le physique, donc... D'ailleurs, c'est les mêmes qui ont ouvert le final défilé masculin. Wow. C'est Haïti qui ouvre. Parce que y a Colombien, y a Canadien. Bon, Haïti qui ouvre, mais là Haïti entré à Mars. Ça veut dire le John entré à Mars. Le John entré à Martine. Depuis que je fais ça, m'entrer, tout juge comme si j'étais devant tout le monde. C'est comme si c'est la première fois que je dis que je suis comme son mannequin. Cette victoire, il l'a dédiée à Haïti, leur pays, et souhaite que leur succès serve d'exemple, de motivation à d'autres jeunes haïtiens qui, comme eux, sont bourrés de talents. L'idée, c'est d'encourager les autres talents qui sont ici. On a été avec une délégation de 5 participants
Et l'année prochaine, on aimerait que beaucoup plus de personnes participent. Donc, je veux qu'ils prennent comme exemple Johnny Carl-Guillaume avec moi, l'expérience qu'on a fait, parce que non seulement c'était un championnat, une compétition, mais on a tellement appris beaucoup de choses. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, j'encourage nos jeunes talents parce que Haïti est bourré de talents. Donc, l'année prochaine, j'espère que nous serons une délégation de 25-30 participants. Oui, le but pour moi de participer à cette compétition, c'était de relever l'image d'Haïti, de faire connaître que Haïti est en train d'exceller à l'étranger. Pour moi, si je gagne, mon pays gagne. C'était ça le but. Si John est de retour à son activité habituelle et Naïli à son mannequinat aux États-Unis, cette victoire leur ouvre de nouvelles portes. De grandes agences de mannequins ont déjà contacté John. Quant à Naïli, elle compte ouvrir sa propre agence. Autre information assez intéressante qui a fait la fierté d'Haïti toujours, cette fois-ci toujours dans le monde de la beauté, qui veut dire que Haïti est belle monde là dans le vrai. Cette fois-ci, c'était le concours international, un concours international de beauté qui était déroulé dans le pays Japon. Le concours de beauté au Japon s'est déroulé, mesdames et messieurs, et notre chère Anedi Azael, Miss Haïti, t'est participée. Anedi Azael, qui vient de participer au concours Miss International 2012 à Okinawa, au Japon, est sortie 15e de la compétition. Sous quantité que tu gagnes, c'est plus passé 92 pays. Donc, 92 candidates ont participé donc à ce concours. Notre Miss a été choisie parmi les 15 finalistes. C'est une très bonne nouvelle. La cérémonie de clôture a eu lieu le dimanche 21 octobre dernier et Miss Japon a été élue Miss Internationale de cette année. Donc, c'est pays Japon qui a remporté concours international ça, mais Haïti est sorti parmi les 15 finalistes. C'est quand même quelque chose. Bravo à notre Miss Haïti, Anedi Azael. Anedi a reçu le prix spécial Miss Joie CFP. Il recevra un gros prix quand même parmi les 15 finalistes. Eh bien, Haïti, tu es bel et bien présent et très bien représenté par notre Miss, notre chère Miss Haïti, Miss Anedi Azael. N'a pas poursuivi, amis téléspectateurs, amis internautes, avec émission Téléimageo. N'a pas rappelé que émission Téléimageo passait sous réseau câblé dans la zone métropolitaine de New York, là, le samedi et le dimanche, sous Channel 18, à partir de 3h de l'après-midi. Et l'émission finie, n'a pas poursuivi, sous Channel 20, à 4h de l'après-midi, toujours Cable Vision, dans Long Island, Nassau, Suffolk County, samedi, dimanche, Channel 20, à 4h de l'après-midi. C'est comme si l'émission, ça, si vous regardez aujourd'hui à samedi, vous commencez à 3h, à 4h fini, n'a pas poursuivi, la programmation a continué sous Channel 20 fois ça, vous avez vu les Channel là, pour continuer avec Téléimage, sous Channel 20 samedi dimanche dans Long Island à partir de 4h d'après-midi. Qu'on a nous va présenter un spot promo qui certainement pourra l'introduire, pourra le présenter du moins, et un documentaire qui pourra le sortir très bientôt. Nous parlons avec le producteur documentaire là qui fait nous connaître que si nous pas de connaître, amis téléspectateurs, amis internautes, grand pile jeune demoiselle, jolie, ravissante, very sexy, bien éduquée. Des jeunes demoiselles d'origine haïtienne qui ont même choisi comme métier puis ont dansé comme exotic dancer. C'est comme ça, elle est licite. Ou bien elle est aux strippers. En tout cas, qu'elle soit jeune, elle est là, c'est un métier quand même. Et nos jeunes filles haïtiennes, certaines d'entre elles, pendant qu'ils prennent l'école, ils travaillent tout comme danseurs exotiques ou bien exotic dancers ou bien comme strippers. Et dans New Jersey, par exemple, grand-pile gogo bar et grand-pile haïtienne qui ont même dansé dans gogo bar. Là, dans New York, dans Manhattan notamment, ou bien dans Long Island City, ou bien dans Queens, ou bien là dans Long Island notamment, il y a des jeunes dames d'origine haïtienne, c'est haïtienne, yo, par contre ça, yo même tout, yo c'est danseuse. Danseuse exotique, strippers, exotic dancers, en tout cas, c'est un métier qui rapporte beaucoup. Donc, documentaire ça, que nous allons présenter très bientôt sous Téléimage, producteur pour maintenant, que documentaire ça, on a bien chance de garder sous Téléimage. Donc, dans documentaire ça, on va pouvoir que des haïtiennes, qui, par un problème, puis yo dit c'est haïtienne, yo, yo très fier d'ailleurs, puis yo dit c'est haïtienne, yo, mais yo travaille, même j'ai à tout l'autre monde, dans genre d'environnement ça. Un environnement pas, d'accord, qui pas fin trop sain. C'est peut-être qu'on s'en pile mounouel, mais eux-mêmes, ils dégagent très bien, ils font pile corbe, et puis, pourquoi pas, c'est un métier. Pendant qu'ils sont à l'école, pendant qu'ils mènent une vie, ils dansent. Documentaire très bientôt sur Téléimage.
Working at a strip club, it's a lot of drama. It involves alcohol, nudity, men, and money. Most of the females in my strip club are bad bitches and they make money. I go on and on, can't understand how I last so long. Fast money, easy money, lots of it. I'm tired of these bitches, they so rude. Before I started dancing, I judged people for dancing. No one should never judge a book by its cover. Don't judge unless you know. Oh my God, Becky, look at her butt. Get your money. Okay, that's what I was doing. Yeah, I'm coming. But y'all know what to do. I ain't never said I did. Okay, like I said, I'm not going to nobody disrespect me. Let me let you know one thing, nobody. It's so much cattiness. It's, oh, she wasn't on the table, or she was on the table, or I ain't see her on that stage, or I saw her on that stage. That bitch been starting drama since day fucking one. She gotta go. Since day one. Shit. Don't let it interfere with your money. All right. Your money come first. I'm not gonna let nobody disrespect me, talk to me anyway like I'm a little ass girl. Her tab was $1,700 and I got charged for $1,900. As much money as I make in this club. It embodies your resume. Got some ass shots. That's what I saw. The game turned her out. They make $1,200 on a Saturday and they got it posted on Twitter. Like that's something. Bitch, made $30,000 a week. $25,000. Catch up on my whole $1,000 ahead. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé ce lundi à l'inauguration du parc industriel de Caracol dans le nord-est du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, du ministre du Commerce, du président de la Banque interaméricaine de développement, la BID, M. Luis Alberto Moreno, de la secrétaire d'État américaine, Mme Hillary Rodham Clinton, du secrétaire du Travail, Mme Hilda Solis, de l'ancien président des États-Unis, M. Bill Clinton, et de représentants de chambres de commerce. Environ 65 000 emplois seront créés grâce à ce parc industriel, considéré comme le plus grand et le plus moderne de la Caraïbe. Caracol, ce n'est pas seulement ça, nous, ouais, jeudi à lier. C'est un projet qui répond à point E, emploi dans le programme 5E moins gagnant. Pour mettre le pays à sourire et développement. Je vais déployer tout effort possible pour que Caracol réussisse. Et Caracol a réussi parce que moi, je voulais gagner une autre réalisation comme ça dans tout le pays pour que le petit peuple a joué un travail. Et emploi a fait route dans Caracol et a continué dans tout le pays. Bye, tout le monde travaille dans le pays, c'est rêve moi. Et c'est pour ça que je peux décoller derrière tout projet en Caracol qui va permettre aux petites têtes d'Haïti de joindre des moyens pour occuper les têtes, pour occuper les familles. Les Caracol, les gens, nous t'attendons pas que Caracol là ouvrir pour nous travailler. Je dis à l'île ouvrir. C'est un outil que je peux nous pour faire changement atterrir la caille nous. Mais pour outils ça aide tout bon. Faut que nous travaillons pour toujours gagner la paix. Parce que c'est les gagner la paix que les gens qui gagnent l'argent, pas paix investi. Yo pas paix créer job pour nous tous à travailler et participer dans la reconstruction pays nous en pays d'Haïti. Le parc industriel de Caracol représente donc un effort concerté à plusieurs niveaux. National et international, bilatéral et multilatéral. Il est avant tout le résultat de plus de 2 années de fructueuses consultations avec les autorités locales, d'un processus de décentralisation à la fois politique et économique en plein essor. Je souligne que le parc industriel de Caracol est un modèle de développement intégré. En traitant ses eaux usées et ses déchets, le parc contribue au renouvellement de l'environnement. En plus des emplois, il offre aux communautés avoisinantes la possibilité de fournir des services aux entreprises qui s'y implantent. Par ailleurs, la présence de l'université de Limonade dans les parages du parc industriel de Caracol promet de lui fournir des cadres bien outillés pour contribuer à la croissance économique de la région. Malgré son potentiel de créer 65 000 emplois, pour le gouvernement Martelly Lamotte, le parc industriel de Caracol n'est qu'une initiative pionnière.
que cette expérience, nous en avons tiré des leçons édifiantes que nous entendons appliquer pour mettre en place d'autres parcs dans d'autres régions du pays. Nous exhortons donc nos partenaires, USAID, BID et bien d'autres, à continuer à nous accompagner. L'heure n'est plus à l'assistanat, mais à l'investissement durable. Je réitère, mesdames, messieurs, que Haïti est ouverte aux affaires de manière irréversible. Haiti is open for business. L'homme d'affaires Clifford Brandt, arrêté pour kidnapping, est toujours en détention à la Direction générale de la police judiciaire. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbourg, qui dément les informations selon lesquelles les autorités haïtiennes s'apprêtaient à l'extrader vers les États-Unis. Franz Lerbourg a fait savoir que les procédures pénales sont toujours en cours en vue d'acheminer le dossier du présumé kidnappeur au parquet de Port-au-Prince. Il y a un enlèvement de deux timoun qui est libéré à partir de l'arrestation de M. Brandt. C'est ce qu'il faut retenir. C'est lui-même qui coopère à la police, qui collabore avec la police et qui permet Timounio de libérer sur place. Or, quand vous me dites, tout fil enquête la mène vers lui-même, tout fil rouge la mène exactement vers lui-même, et la police arrête aussi simple que ça. Mais il y a un avocat, M. Delatour, qui fait quoi? C'est pas un enlèvement, c'est tout simplement un règlement de compte qui est la police capable de dire sur ça. Non, mais. Vous remarquez que là, maintenant, on dynamique de répondre à une question, un avocat qui défend nos clients. Non, la police n'est pas dans la dynamique ça, du tout. La police fait son travail, il y a eu une infraction constatée, et la police fait travail par là. Un point, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi m'oblige à répondre à chaque ça, un avocat qui défend nos clients dit. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais, M. Lerbou, nous avons une liste que tu as fait nous connaître qui est en circulation. Comme quoi, il y a des institutions de surveillance qui ont des noms, des gens qui ont pu être kidnappés. Et puis, il y a une autre liste de 265 policiers qui sont complices dans différents gangs que M. Sayo a dirigé. Sur la première partie, question, là, moi décidé de ne pas parler sur ça. Mais la question de 265 policiers qui ont circulé sur Internet et qui ont des familles qui sont ciblées dans la question, ça, je suis capable de dire que ont relevé de la pure intoxication. Pas rien de vrai là-dedans. Toute information qui concerne l'affaire ça, on t'a conseillé de prendre dans la police. Si la police pas dit, tout reste là, considérez-le comme oui. Mais nous même dans des secrétaires d'État, tu mettais des noms, tu mettais nom inspecteur qui a envie de recherche, qui t'a semblé non dans la liste là. C'est dans le domaine du possible. Si que on monde qui dans niveau ça a fait pratique d'enlèvement, c'est il est fort probable que il y ait des policiers avec elle, que il y ait des gens qui connaissent ou âge là avec elle, qui capable de permettre que le contourner la police assez facilement. C'est dans le domaine du possible. Mais pour l'instant, dans la dimension que l'enquête a évolué à là, pas autorisé à dire mais qui est. Si il est révélé clairement et que nous l'on a arrêté, ou connaît, pas de rien que n'a pas caché, sauf que pour sauver. Enquête là, il faut que nous gardions une certaine discrétion par rapport à une série d'informations que nous avons véhiculées. Ou qu'à comprendre que c'est dur pour comme membre de presse, pour chercher toute vérité, toutes les dessous. Ou quand même des journalistes d'investigation qui ont des informations. Mais la parole officielle de la PNH, c'est ça, M. Doula. Il n'y a aucune liste qui a 265 policiers qui sont impliqués dans cette affaire. Pas du tout. Et il est probable pour que des policiers, à l'avenir, qui aient arrêté, dans le même cas de l'affaire, ça. Si il est révélé qu'il y a des policiers qui sont impliqués là-dedans, on ne fera pas de quartier. Mais pour le moment, je me rends compte que c'est en pile et parole, comme on dit ça, prêcher le faux pour connaître le vrai, qui vient de moi, notamment sur Internet. Il faut tout que nous prenions en pile recul par rapport avec ça qui a circulé sur Internet, parce que sur Internet, circule tout et n'importe quoi. Il est probable pour gagner des gens qui ont des problèmes avec les gens et qui a essayé de faire association de gens avec ce passé. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans détaillé et rapport et conflictuel
que un monde gagne avec un autre monde sur une autre question et puis cap fouel de manière incidente en dedans un dossier que la police a traité. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu plaisir à la suivre, cette émission, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut continuer à supporter l'émission. N'a pas gardé l'émission, ça, nous sommes gardés là. L'émission, ça n'a pas grand réclame qui passe là-dedans. Ça veut dire que c'est pour compte pas nous, que nous faisons des efforts pour nous payer station télévision, pour nous payer assurance, pour nous payer studio, et puis payer correspondant, pour nous capable de faire l'émission, ça, pour te barrer la caillou. C'est pas facile. C'est beaucoup de travail. Le travail a coûté, il coûte énergie, il coûte un pile dévouement, un pile patience. Bon, nous-mêmes, c'est avec plaisir nous faisons. Mais pour nous payer station, pour nous payer blanc, hein, nous dit comme ça, il n'est pas facile. Pour jeter l'image, on dit genre, get through. Poche là, on dit genre vide, ça joue aussi. Nous m'en donnons support. Façon pour vous capable de supporter. Nous certainement capable de faire une donation, si vous voulez faire une donation. C'est avec plaisir, ça permet de nous continuer l'émission. On n'a pas apprécié ça. Mais une autre façon pour faire, c'est supporter la parfumerie de Barbara. S'il vous plaît, continuez à supporter nous. Sur ce, je vous tire ma révérence. Encore une fois, je vous convie à continuer à suivre les émissions Téléimage, continuer à suivre notre programmation sur Internet ou sur les réseaux câblés où passent ces émissions respectivement. Encore une fois, je vous demande de garder le sourire. Sachez que tout est bien et toujours. Je vous tire ma révérence. Je suis Valerio Saint-Louis. C'est moi-même Ben Chouchou. Lyrically, you know Ben Ganchou. You. Rensez avec Ben Boudor, Ben Apuchou. Sous n'importe track, you know Ben Apchouk-chouk. You. Ben is this, Ben is that. Ben is on top. And the jazz est bon, il toujours busy. Ben don't stop. Ben keeps going. Ben keeps going. Ben is like the Nile River. Ben keeps flowing. Ben omnipresent. All over the map. Allez, juste Thailand. Wap Dren. Ben cock. Ben fait petit. Ben wogigit. Ben crash classique. On dit Ames B. Ben la, Ben c'est un star. Ben alcoolique, wap j'vin Ben by the bar. Ben pas fait ça, Ben en retard. Parce que Ben la caillou wap j'vin Axel sous sofa. Ben gagnon Ben Zeli qui frontman. Ben gagnon gang chiclen. Ben na Brooklyn na yon dalaven. Parce que Ben gagnon pa il est prêt pour l'email. Ben sous yon track, Ben na boucanel. Ben a parensol, Ben a cancanel. Boule gratel, Ben a consommel. Et si l'idée décolle, Ben a boutonnel. Ben a déboutonnel. Pour les camanyel, si tu as classé une femme, ben a foutu miel. C'est Ben qui les met, qu'on y a Ben à péten. Pour créole hip hop, on est Ben, ses étrennes. Faites attention pour Ben pas tourner des veines. Comment c'est pas problème, t'es coup Ben c'est bacon. Ben saute dans l'autre planète, Ben pas humain. Sous grâce, si y a ti Ben, lady Ben sur alien. Ben musician, Ben Beethoven. Ben gets brand from geishas in Japan. Ben goes to Aspen, I'm against the system. Ben scream for Katrina victims. Ben is living, chilling, Ben is legend. Inside niggas world you will find Ben's heaven. Ben's the protagonist even as the villain. Ben lyrical skills got Ben global connection. Ben got verses like an Ivy Bible. Ben blasphemous remarks will fucking knife you. Reincarnated but Ben never recycle. Incarcerated but Ben beat it like Michael. Ben never snitch. Ben is the glitch. Ben is the virus inside the matrix. Ben takes trips, never pays for trips. Ben sounds like this. Ben rhymes like this. Yeah, I think Ben is me. Ben tout côté représenté Haïti. Ben contre Joël depuis l'LT Winnie. Les Ben t'es dans Shepherds, White Clef ouvert pour Lee. Ben burn stages, his flow's contagious. Ben's outrageous but so spontaneous. Ben wordsmith is like lyrical genius. Ben makes money sometimes using his penis. Yeah, they call Ben man whore. Ben eats bits like meat carnivore. Ben stays in the air like a raven Baltimore. Up on say Ben fini, Ben Z, Bambali more. I just introduced you to this niggas I know. He's the rap crayon king who got crazy flow. You can tell by his verse he's controversial. Haitian hustler showing you how to make that dough. Trilingual, so you gotta keep up with the dialogue. Work all over the place, so keep up with the catalog. Ching Ching King with a brand new crew. Negro Swore Kingdom at a store near you. Yeah, go ahead and cop that, homie. Yeah.